Maître Anel Rémy comme représentant secteur droits humains au niveau CSPJ. Donc désignation qui était faite la date 15 mai 2023 par OPC, Office Protection Citoyen, que nous autres au niveau organisation et ADH, nous avons entendu nous pour nous contester l'élection, seulement parce que nous avons participé à l'élection, mais en même temps, nous estimons qu'il y a une suspicion de corruption, suspicion de favoritisme. Et nous connaissons en tant que favoritisme, c'est un élément qui a un rapport avec la corruption. Maintenant, CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en tant que institution si prestigieuse et importante pour la République, n'est pas capable de considérer parmi lui des personnes qui ont un soupçon sous dos par rapport au travail que vous pouvez faire. Mon conseil supérieur du pouvoir judiciaire, travail d'inspection, de certification, de contrôle de la justice et travail que vous pouvez faire pour bien, le bien-être, le bon fonctionnement du corps social. Alors, tout membre doué, crédible, honnête, digne. Et gagner une contestation qui était faite, c'est parce que suite à une déclaration en date du 22 mai 2023 sur les ondes de la radio Caraïbes, déclaration qui était faite par le président du Conseil électoral des droits humains, la personne de Dabensky, Gilbert, et Madame Gerline Résidor, qui était capable de prononcer péremptoirement que Maître Anel Rémy, organisation qui a participé à l'élection droits humains qui était faite 8 novembre 2022, organisation SILA n'a pas de reconnaissance légale, pas légale. Cela est tellement vrai que le Conseil électoral a fait l'injonction pour être capable de gagner couverture en l'autre organisation pour participer à l'élection. Et que. Qui j'ai organisation ça te organisation Maître Anel Rémy qui a participé à qui c'est cadeau. Ok, collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Donc, il n'est pas légal. Il n'est pas légal, il n'est pas réuni condition légale. Selon le président conseil électoral qui a organisé l'élection et Madame Gerline Résidor qui est une la monde qui a remporté l'élection. Alors, il a fait l'injonction pour gagner l'autre organisation. Et l'autre organisation qui était obligée à la couverture, à savoir LHDDH, Ligue haïtienne des défenses des droits humains, organisation ça non plus. En décembre, septembre 2023, ça c'est le cas fait, qui se fait de 2 ans. Donc il n'y a pas d'habilité en 2022 pour participer à l'élection, ni CADO, ni LHDDH. Nous croyons que c'est juste et fondé pour que nous en plus, que c'est juste et fondé pour nous capable de bien contester l'élection. Alors expliquez-nous, monsieur le président, tu connais que. Et l'organisation de participer n'est pas légal, mais pour qui ça a été quitté participer? Bien. Alors, on nous dit que le problème là, et c'est ça que nous demandons pour CSPJ lui-même capable de décider, parce qu'il y a tout pouvoir pour le capable d'approfondir, enquêter et connaître qui et connaître qui. J'ai entendu le Conseil électoral là recevoir tout le dossier, et c'était 5 candidats qui étaient posés et candidature, donc là 5 ans, joue élection hein, qui était faite. Oui. L'élection a été faite dans le jour qui était 8 novembre 2022, la Faculté des droits et des sciences économiques de Port-au-Prince, et en présence de la presse, en présence des observateurs de l'OPC, et également scrutin, le résultat élection était verbalisé par un juge de paix de la section sud de Port-au-Prince le même jour, donc le 8 novembre 2022. Bien entendu, suivant déclaration du président et conseil électoral là, donc la date 22 mai 2023, il était déclaré péremptoirement que l'organisation
Maître Anel Rémy te représente, il n'a pas réuni les conditions légales à savoir cadeau et qu'il te fait injonction pour te présenter avec une autre organisation et il te référer avec LHDDH. LHDDH, comme cadeau, non plus, pas réuni les formalités et irritantes qui te prévoit et préalablement à l'élection. Pour raison ça, avec CSPJ Kounyala. Alors, nous autres, au niveau organisation et ADH, qui ont des privilèges dirigés, donc nous avons fait contestation le 7 juin 2023 et que nous communiquons toutes les pièces généralement quelconques qui pour permettre de former et conviction président et conseil supérieur pouvoir judiciaire capable de former conviction, y compris honorable conseiller, et que nous gardons plus que 5 mois depuis que nous faisons contestation cela, nous voyons que CSPJ tardait pour prendre décision. Donc nous demandons pour être capable de statuer définitivement, bien entendu de toute urgence, mais avec professionnalisme, compétence, impartialité et équité pour que candidat qui mérite poste là effectivement qui digne qui mérite légalement selon vœux constitution en vigueur 1987 amendé en vigueur et la loi de 2002 décembre 2007 portant création du CSPJ pour capable décider parce que nous croyons que en tant qu'institution régalienne en tant qu'institution qui pour permettre que justice là bien marché donc pour lever nation hein, donc c'est yo doué exemple de tout soupçon. Alors comme responsable organisation vous êtes 5 membres qui étaient participé dans l'élection. Merci pour question. Alors nous m'était participé dans l'élection, il faut dire au préalable tu gagné formalité description des candidats et que moi-même j'étais fini en première position. Donc après l'élection en troisième position et que Madame Gerline résidant en première et fini en première position, Maître Anel deuxième position et moi-même en troisième. Nous ne sommes pas approfondis faire recherche sur dossier yo, donc arbitrairement avec un peu de légèreté et négligence. Peut-être nous gagnons à la base question de favoritisme et c'est là nous pensons que favoritisme est assimilable à corruption et corruption donc c'est un facteur qui empêche question droit monde respecté. Il faut que nous disions et CSPJ doit prendre des décisions et statuer sous contestation et ADH parce que il y a des conséquences sur nous autres comme monde qui était participé à l'élection. Par exemple, dernièrement, il y a un recrutement au niveau système et judiciaire là pour monde capable jouer rôle de substitut de commissaire. Moi-même, moi réuni toutes conditions en tant que monde qui est licencié en droit, qui étudie sciences politiques, qui formé prend l'autre formation dans plusieurs universités. Était capable d'opter mais les gars me connaît une contestation au niveau CSPJ donc moi appelé à devenir juge conseiller du conseil supérieur du pouvoir judiciaire moi dit ah par rapport à ça me pas capable participer gain l'autre opportunité donc vu que gon question qui pendant donc nous voulait qu'il lui tranche or nous critiquer maître Anel Rémy qui dernièrement fait savoir que par la voix de la presse particulièrement radio Mega et Radio Caraïbe nous attendait que ces candidats qui étaient en face qui retardaient l'installation nous retardaient l'installation donc c'est CSPJ pour le rendre responsable parce que nous contestons. Il faut que CSPJ lui-même ni statué il décide avant que maintenant lui-même capable réclamer installation li l'élection est faite le 8 novembre 2022 et c'est 15 mai 2023 au OPC lui-même était désigné maître Anel Rémy et puis nous-mêmes le 7 juin 2023 nous produit contestation nous qui reçu dans et cour de cassation secrétariat cour de cassation recevoir contestation nous et nous déposer donc mi-juin nous déposer inventaire des pièces toutes pièces pour nous déposer. Alors, on a invité, en même temps, nous avons demandé CSPJ pour le capable bien, de statuer, mais nous invité Maître Anel Rémy, en tant que camarade des droits humains, en tant que collègue avocat, en tant que monde qui a défendu le droit monde, au lieu que lui ait demandé pour que le Premier ministre Ariel Henry et le président CSPJ, Jean-Joseph Lebrun, pour le capable installer l'idée force
nous croyons que mettre là doit et prend les soins pour la défendre tête li par devant et bien et qui de doit par devant autorité compétente parce que il accusé lui donc nous autres le candidat accusé lui de et suspicion de corruption de manque d'honneur de favoritisme donc c'est crime de corruption c'est lui-même qui gagne c'est à lui-même qui revient de défendre de se défendre parce avec preuve contraire pour montrer que non il n'est pas impliqué dans la question et cela. Donc c'est Maître Montus Joachim, avocat au barreau de Port-au-Prince, directeur exécutif de l'organisation Études et Actions pour les droits de l'homme. Vous avez là vous dénoncer d'être un LGM qui représente le CFTJ illégalement. Ok. Non, pour nous débattre en réponse, parce que il pensait que c'est candidat qui retardait l'installation. Or, nous autres, nous avons contesté l'élection parce que il y a cas suspicion de corruption, organisation, li pas légal. Maintenant, vu que nous reprochons, c'est lui-même qui pourrait le défendre et défendre lui pour tes preuves, montrer qu'il était bien désigné. Donc, et puis, nous venons pour nous demander et CSPJ pour le capable de statuer sous contestation qui fait depuis début de juin 2023. Mm.